lundi 2 septembre, c'est la rentrée, ça y est. J'ai préparé mon petit déjeuner, je viens de revenir le déposer mail. Donc voilà, c'est la rentrée les amis. Je vais faire certainement du montage et regarder une vidéo à la télé du coup, parce que je suis toute seule, Alex est dans sa chambre. Donc voilà. Bon, la rentrée s'est bien passée. Est-ce que vous êtes plutôt team parents, youpi, c'est la rentrée, enfin les vacances pour les parents, ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi, c'est la rentrée, mode déprime, voilà. Moi, je préfère garder mes enfants avec moi, en fait, à la maison. J'aime pas quand c'est la rentrée, quand c'est l'école. Bon, après, voilà, il y a les deux sortes de parents. Hein. Il y a ceux qui sont contents, c'est les vacances pour les parents, et il y a ceux comme moi qui sont plus en mode déprime. Voilà, dites-moi, vous êtes de quel groupe vous? Bon, j'ai préparé mon petit jus d'orange, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Bois pas mon jus d'orange hein. Et mon bol de Chocapic. Je vais me mettre, une petite vidéo et je vais faire le montage du retour de course, je pense, pour ce soir. Je vais essayer de m'avancer un petit peu aujourd'hui et après, de toute façon, il y a du ménage à faire. Je suis toute seule, je vais profiter. On va essayer comment dire, de reprendre un rythme, voilà, hein, le rythme scolaire, on va dire. Et voilà. Donc c'est parti pour la journée les amis avec moi et je vous filmerai peut-être Mel à midi, elle nous dira si ça s'est bien passé ce matin ou ce soir, on verra. Voilà. Allez, c'est parti, je déjeune. Allez, on sort Zazou. Zazou, elle fait que tourner alors que Alexis l'a sorti à 9h quand on est revenu de l'école. Mais elle faisait encore que tourner, mademoiselle. Donc bah, on la ressort. Snoopy vient de se cacher là sur le côté, mais je sais pas, il est parti où. Il se cache. Je te détache, grosse. Allez. Attends. C'est parti, vas-y. Va faire ta vie. Voilà les amis. Il est déjà 10h09 parce que j'ai galéré en fait à. Enfin, j'ai déjeuné et tout. J'ai regardé la vidéo de Ticia. Mais impossible de. Ah. Impossible de me connecter avec ma GoPro en fait, j'ai dû dissocier tout comme Christophe m'a dit, mais j'ai galéré. Voilà. Du coup, j'ai perdu du temps. Elle se voit avec les broches. Voilà. Bon, ben, on va aller attaquer ce qu'il y a à faire à la maison. T'as pas l'air d'avoir envie, ma grosse. Ah ouais, t'as pas l'air d'avoir envie. T'es bien dehors, c'est tout? Bah, elle se balade. Je pense qu'elle a envie de faire caca quand même, mais bon. Bon, j'ai fait mon café. J'ai fait mon café, je vais faire ma vaisselle, ce sera déjà bien. J'ai sorti mes poubelles. J'ai sorti les poubelles, j'ai débarrassé vite fait là-bas où il y a les sacs. On va ranger parce que l'heure elle passe vite quand même, il dure 11h30. Hop, donc là, mon café, je vais attendre un petit peu, je vais attaquer la vaisselle les amis. Là je vais peut-être vous couper parce que ça va être long et après on va encore m'embêter avec le tu fais couler. Il y a des gens, ils ont que ça à faire de critiquer, c'est pénible. Et moi, je dois avoir la tête de la personne qu'on aime critiquer. Toujours des réflexions sur tout. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Les filles, vous faites quoi là? Bon, toi là derrière ton écran qui regarde ma vidéo, est-ce que toi aussi tu es comme moi quand tu fais la vaisselle, tu prends ta douche en même temps? Ça c'est moi ça. À chaque fois que je fais la vaisselle, je prends ma douche en même temps. Mon t-shirt il est trempé. Heureusement il fait chaud, ça va sécher. Et tout ça c'est moi. À chaque fois que je fais ma vaisselle de toute façon. Bon, j'ai lavé mais il me reste plus que les plaques du grill.
Et je vais essuyer la vaisselle. Les filles font le bordel. Chouchou m'a appelé, c'est pour ça que du coup j'ai coupé. Puis, de toute façon, je finissais la vaisselle. Elle m'a appelé pour savoir si j'arrivais à connecter la GoPro du coup, parce que vu que j'y arrivais pas depuis tout à l'heure. Parce que d'habitude, c'est lui qui le fait. Donc, je lui ai dit, en fait, j'ai dû éteindre mon téléphone et le rallumer parce que il voulait pas se connecter en fait. Il me dit, bon, bah ça va, le principal c'est que t'as réussi, Marie. Je vais pouvoir faire moi le montage, certainement ce midi, du retour de course. Parce que là, du coup, j'aimerais bien faire du ménage quand même. Puis j'ai dit à Mel que j'allais imprimer les calendriers là, de l'année. D'habitude, je fais de janvier à décembre. Là, je pense que je vais faire de septembre à août, en fait, l'année scolaire, avec les grandes vacances. Et du coup, elle veut que je lui colorie en... Ah, je lui ai dit comme ça, tu sauras les jours d'école et tout. Donc, elle veut que je mette en bleu clair les jours où il y a l'école et en rose quand il n'y a pas l'école. Voilà. Donc, je vais faire ça aussi. Je lui ai dit que je ferai ça le temps qu'elle est à l'école. Voilà, voilà. J'ai chaud, il fait chaud, mais je peux pas ouvrir avec les filles. Ils sont en train de foutre le bordel. Je sais pas ce qu'elles font, mais elles foutent le bordel. Les filles ? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Kenma ? On peut pas, hein ? On a pas le droit, hein ? Je sais pas ce qu'elle fait, elle se... Oh. Elle se bat le carton, alors j'espère qu'elle va pas pisser le nez. Hier, elle aurait été faite hier. Hein. Mais il y en a toujours une qui va faire pipi quelque part. Hein. Oh là là, je vous jure. Bon allez, je vais finir ma vaisselle, finir mon café, puis après je vois ce que je vais faire. Hein. De toute façon, il y a énormément de choses à faire. Et la grosse, elle ronfle. Elle ronfle, la grosse. Il y a les mounettes qui se méfient, là, du coup. D'habitude, je laisse la planche à la cuisine. Comme ça, Mimi, elle est tranquille. Mais bon, là, j'ai dit, je vais ouvrir parce que... Comme ça, je vais tout nettoyer. Donc, ils sont en train de me foutre le bordel dans le carton. C'est pas possible. À tout à l'heure. Je vous montre mon assiette de ce midi. Donc, les frites avec saucisse, sel, ketchup. Voilà. Il est midi... Combien ? 44. J'ai été récupérer Nana à l'école. Ouais. Là, je me suis fait à manger, mais je vais attendre un petit peu parce que ça brûle. Mais là, elle a déjà fini son assiette. Du coup, elle voulait vous expliquer un petit peu. L'école, ça s'est passé bien. On a commencé la rentrée. Je suis avec Monsieur Debarge, là. Une nouvelle directrice qui est passée nous dire un petit bonjour. En plus, on a juste à lever la main et à dire à Monsieur, j'ai soif, est-ce que je peux boire ? Et on peut prendre directement la bouteille parce que en fait on peut prendre le sac dans la classe. Et, comme il fait chaud, du coup ils ont le droit de boire et tout. Surtout pendant. Ils ont déjà fait un petit peu de travail au matin. Ouais. On a commencé à faire 3, 4, 2, non ? Je sais pas. Déjà monsieur il est gentil. Monsieur il est gentil mais il crie juste sur les élèves qui font des bêtises. Alors, est-ce que ta classe ils sont bien ? Ma classe. Ma classe, ouais. Oui. Mmh. Elle est à côté de Mia, c'est ça ? À côté de Mia, il y a moi et Alicia. Donc Mia, elle est au milieu. Ouais. Donc ça va aller bien quand même. Bon, après, à la récréation, elle reste un petit peu toute seule. Ouais. Elle va se faire des copines à force, hein, j'espère. J'ai pas été la voir. Elle m'a dit qu'elle voulait. Voilà, pour que je vais la voir, pour que je la laisse tranquille. Mais bon, elle n'a pas trop joué, elle a pas vraiment joué. Mais bon, après, même si elle joue pas à la récréation, on va dire que de toute façon, l'école, c'est pour apprendre. Et puis, au pire, c'est 15 minutes. Donc, elle mange son petit pain, elle boit un coup, et puis voilà. Ouais. Non, mais je voudrais un peu de copine. Bah oui, ça serait bien quand même que tu joues avec, un petit peu avec les autres. Mais les autres, c'est des grands, ils jouent à rien. Ils parlent. Ouais, il faut que parler. Bah, ils se préparent pour aller au collège. Hein. Au collège, après, tu fais que parler. Hein. Puis là, c'est la rentrée, donc ils ont peut-être parlé de leurs vacances. Bah, t'as fait quoi, toi ? Ouais, moi, j'ai fait ça, j'ai été là. Et toi, t'as fait quoi ? C'est peut-être ça, hein. Là, ils racontent leurs vacances. T'inquiète pas qu'après, ils vont jouer, à mon avis. Hein. Bah, t'inquiète, je vais essayer de parler un peu avec eux. Bah oui, il faut essayer de parler avec eux. Mais non, je suis trop timide. Bah, regarde, au parc hier, la fille est venue te parler. Hop, direct, t'as parlé avec elle, t'as fait du sport avec elle. Pas faux. Bah, voilà. Non, mais c'est alors, en dehors de l'école, elle se fait des copines.
Mais à l'école, c'est dur. En fait, c'est parce que, en fait, elle est venue me voir et dire comment tu t'appelles comme ça. Elle a dit comme ça, mais je voudrais que tu... Non, mais t'as vu ? Elle est venue te voir, elle t'a demandé comment tu t'appelles. Parfait, t'as joué avec elle. Ouais. Ça t'a pas fait bizarre ou ça t'a pas dérangé qu'elle te demande ? Non. Donc, tu vois, il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien. Si elle, elle t'aurait pas parlé, toi, t'aurais pas été lui parler. Les autres, ils veulent pas. Ben si, tu peux essayer de parler. Alicia, tu jouais un peu avec elle en plus. Ouais, mais maintenant, elle raconte ses vacances. Ben c'est normal, tout le monde raconte ses vacances. Tu la laisses, toi. Bah, pas moi. Ben, tu peux raconter ce que t'as fait pendant les vacances. Tu veux pas? Il y a personne qui vient me dire, ouais, t'as fait quoi dans les vacances, frère? Ben, va parler, toi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu peux parler toute seule. Ben, pas toute seule, toute seule. Tu parles pas avec le mur, hein. Et je dis, ouais, j'ai fait ça, le mur, ouais, tu fais quoi, toi? S'il te répond, par contre, c'est bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. Imagine, il y a quelqu'un derrière la fenêtre du mur et puis il te répond. C'était en fait, une fois, j'ai rêvé d'un arbre qui me parlait. Voilà, du coup, elle voulait vous dire que tout il s'est bien passé. Donc, maintenant, il reste à se faire des copines pour jouer un peu à la récréation. Normalement, d'après ce qu'elle m'a dit, bon, je vais avoir beaucoup de papiers à remplir ce soir. Ouais. Mais elle va peut-être te faire piscine très vite. Donc on verra. T'auras beaucoup de devoirs. Plus le sport. Je sais pas, et monsieur a reparlé de la randonnée ou pas? Monsieur, il a reparlé de la randonnée, non. Il n'a pas dit pour l'instant? On m'a dit, ouais, pour la randonnée, ou quoi, au cas où quelqu'un se blessait pour les papiers, il nous a dit, pourquoi on va donner des papiers à ses parents, du coup. On a tout répondu pour savoir ce que c'était quoi. Oui, bah, il est obligé de savoir en cas d'urgence qui c'est qui doit appeler, etc. Ouais. Parce que obligé, parfois, hein, comme tous les ans. Parce que parfois, il y a des mamans et papas qui parlent et qui répondent pas. Ah ouais. Du coup... C'est pour ça que normalement, tu mets plusieurs numéros. Comme moi, je mets mon numéro à moi, après je mets celui à papa, après je mets celui à Mathieu, et je vais mettre celui à Camille aussi. Comme ça... La chaîne, toi. Non, j'ai pas. Ben moi... C'est pour tes papiers à toi. C'est s'il t'arrive quelque chose à l'école, ils vont m'appeler moi en première. Si moi je réponds pas, ils vont appeler papa. Si mon papa il répond pas, ils vont appeler Mathieu. Si Mathieu il répond pas, ils vont appeler Camille. Moi on est sûr qu'il y en a un qui va répondre. Et puis au moins ils sont à la maison. Donc, enfin là ils sont pas à la maison, mais. Hein, ils peuvent me prévenir quoi. Ils peuvent te prévenir. Voilà. Envoyer un messenger. Du coup, voilà. Bon, je vous laisse, je vais manger et on vous reprend. Je vous reprends dans l'après-midi. Moi aussi, je vais essayer de trouver. Marco. Polo. Marco. Polo. Polo. Marco. Polo. Polo. Ok, t'étais juste à côté. Touché.
Marco ? Voilà. Marco ? Voilà. Marco ? Viens là ! Viens là ! Quoi ? Marco ? Voilà. Je la touche. Mais je continue de pousser. Marco. 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 Voilà. Bon, attends. Non, c'est pas. Allez, tu dois dire Marco. Ben je le dis quand je veux, gros. Marco. Allô. Tu dois dire toute la 10 minutes passées. Bon. T'as le temps d'attendre alors. Ok, 10 secondes. Marco. Allô. Marco. Voilà. Marco. Allô. Toi. Achoum. Achoum. Ah mais il y a un trou là, j'ai peur de me le prendre. De toute façon je fais la balançoire. Pourquoi tu fais la balançoire? Pour te protéger. Il est où le bout de bois là? Là. C'est là, Mel. Allez, viens, vas-y, je fais de la balançoire. Vas-y, je fais de la balançoire. Heureusement, je l'ai rattrapée, elle allait dans ma tête. Non. Si, je oh. Je l'ai su moins fort. Polo. J'ai peur de la recevoir, du coup. Non, fais-le plus, Mel. Je t'ai touché, Mel. Polo. Non, tu triches. Stop, il l'a vu. On peut. Il est déjà presque 22h. Il va être 22h, donc on va aller se coucher. Mel, elle vous a. Ben, elle vous a expliqué à midi. Après-midi, je crois que je vous ai pas pris. J'ai fait mon ménage à fond. Je transpirais de dingue. J'ai tout fait la maison à fond, vraiment tout. Enfin, tout le boc à fond. J'ai tout débarrassé, j'ai enlevé les cartons, j'ai fait les poussières, j'ai rangé les bacs qui traînaient, j'ai lavé, j'ai nettoyé la télé, enfin j'ai tout fait à fond le bord. Chouchou est rentré, il a été prendre vite fait sa douche, on a été récupérer Mel à l'école. On est passé à la pharmacie, j'ai acheté du bain de bouche parce que depuis midi j'ai hyper mal à mes dedans là, en bas. Mais en fait j'ai mes gencives hyper gonflées, donc je pense que c'est à cause de ça. Donc je vais faire des bains de bouche, je vais en faire un là après avant d'aller me coucher. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Et ensuite, on a été jouer dans le jardin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Je suis tombée. Je suis tombée. Elle s'est cassée la gamelle de la balançoire. Et du coup, je ne sais pas si vous allez voir. Non, je ne sais pas. Voilà. Voilà, résultat. Du coup, elle a été voilà, prendre... c'était un petit coup, hein. Du coup, elle a été prendre son bain. Ah. C'était un petit boulot. Elle était prendre son bain, on a mangé, on a sorti les filles. Ah, c'est pas bon. L'homme, elle, ça y est, elle a préparé les vêtements pour demain. Tout y est prêt. On a rempli tous les papiers pour demain, pour l'école, parce qu'il y avait plein de papiers à remplir. Je suis sûre que ça va piquer. On a préparé la coopérative, tout bah, ça. Enfin, maman, bref. Tu me stresses encore plus avec ça. On a tout préparé. Et tu fais attention à sa tâche. Tu veux le faire tout seul? Tu tamponnes. Tu veux que je te le fais ou pas? C'est comme ça, fait comme ça. Ça pique pas? Un peu. Ça pique? Non, on le fait pas, là. Attends, j'enlève. Mais non, j'enlève, viens là. Voilà, j'enlève avec la compresse normale. On va remettre juste un pansement. Et ouais, du coup, on a tout préparé les papiers, elle a préparé les vêtements, tout. Et là, on va.
Mets bien tes jambes. Si ton short il se... Ouais. On va mettre un pansement et après on va aller se coucher parce que demain il y a l'école. Je vais devoir laisser mon bras comme ça toute la journée. Okay. Demain, sa tenue, elle va être trop belle. J'essaierai de vous montrer demain matin si j'y pense, parce que le matin, c'est un peu la course. Hein. Attends, le bras, ouais. Mais alors, toi? Voilà. Bon, du coup, on ne met pas de bétadine, puisqu'elle dit que ça pique. Et j'ai pas de... Je sais plus comment ça s'appelle, le spray, là. J'en ai plus. Je sais pas, normalement j'en avais, mais j'en ai plus. Donc voilà les amis pour la journée. Du coup la rentrée s'est bien passée. Elle a passé une bonne journée, mais après elle s'est cassée la gamelle dans le jardin. Et puis voilà. Tout y est bien. Là on a fini, on a mangé un petit yaourt. Et puis on va aller se coucher, chouiller monter. Bon je pense qu'il dort peut-être déjà. Et nous on va aller dormir aussi. Là je suis en train de faire le montage du vlog de lundi dernier. Pour, je pense que je vais essayer de vous mettre demain matin. Là, je vais essayer de mettre lundi, mardi, demain. Et peut-être mercredi, jeudi, après-demain. En fait, je vais essayer de rattraper un petit peu pour que vous ayez moins de décalage. Parce que comme vous avez une semaine de décalage, je vais essayer de rattraper un petit peu, enfin, de mettre plusieurs vidéos pour avoir moins de décalage. Comme ça, ça sera peut-être mieux pour vous. Donc, il y aura peut-être deux vidéos par jour. Voilà. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vous laisse pour ce lundi, pour la reprise d'école, pour la rentrée des classes. Et puis nous, on vous fait des gros bisous. Je vais faire mon montage. Enfin, je vais faire mon montage dans mon lit. Le reste, on verra demain. J'ai plus de batterie en plus à ma caméra. J'ai presque plus de stockage, mais du coup, il faut que je fasse du montage. Mais ça va parce qu'aujourd'hui, vu que j'ai fait beaucoup de ménage quand même, demain, je vais pouvoir me poser un peu plus pour peut-être rattraper les montages. Parce que j'aurai moins de choses à faire demain. Je pense, franchement, ça va... Peut-être une machine, mais après, juste aspirer la vie, mais le plus gros, il a été fait, donc je serai peut-être plus tranquille demain. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment bien transpiré, en plus, il faisait chaud. Demain, il fait moins chaud. Aujourd'hui, on avait 27, demain, 24. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis à demain, pour le mardi. Voilà. On verra ce qu'on fait. Bisous.